Salut les voyeurs! Bon, nouvelle journée à Bajantapour. Je réfléchis en plus avant. Tous les jours. Tu peux pas me souffler à l'oreille. Si, mais je pensais que là, ça allait être bon quand même. Bandipour. J'y arrive pas. Bon, ben voilà. On est beau aujourd'hui, hein? Ouais, là, j'ai mis ta casquette parce que la mienne est dégueulasse. Hier, quand on a bu le coup avec les anciens, là, dans le champ, je l'ai posé par terre. Et voilà. Et ben oui, on s'est assis. J'ai dans pas la eu terre. Le temps de la laver. J'ai fait assez de lessive comme ça. Donc la casquette, ce sera ce tard. Soir. Ouais. Oui, c'est pas la priorité du. Non, la du tout. Là, d'ailleurs, il n'y a pas de priorité parce qu'il est déjà presque 13h. On n'a rien fait ce matin. Non. On s'est reposé. Un peu. Oui. Ouais, mais pourquoi? Hier, 21h. Un bus qui arrive, un bus complet. Ils étaient euphoriques. Ouais, la musique, ils l'ont mis à fond, ce serait cru en boîte de nuit. Mais comme si on était à l'intérieur. Ah ouais, c'était un truc de dingue. 22h30, ils ont coupé la musique. Bon, après, ils ont parloté pendant au moins encore une demi-heure. Puis à 23h, terminé, plus rien. Comme nous, on est des vieux, ça nous a dérangé, forcément. Hein. On était prêts à dormir. Ouais. Un petit peu, t'étais comme ça, toi. Ouais, mais c'est bon, j'ai pas fait de crise. Hein. Putain, il faut que j'y pense à te filmer quand... Et puis ce matin, bah, à 6h, ils étaient en train de faire tourner son moteur de bus pour rien, parce qu'ils sont partis à 8h. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ce matin, on s'est reposé. Ouais. Et là, on va faire un petit peu les extérieurs de Bajantapour. Ouais, on va prendre une direction, la Tindara. C'est le bled, justement, le village des deux anciens qui nous ont payé le coup 2 jours de suite. Et ils ont dit qu'ils habitaient là-bas. On va aller voir leur village. Je sais pas ce que ça donne. Oui, et puis on va être un peu à l'extérieur. Ouais, ça peut être sympa. Et puis sinon, bah, ce sera ce que ce sera. Hein. Allez, viens, on y va. Ça va mieux, ton bobo, au fait? J'ai rien mis, il faut que ça sèche. Ouais. Ça va. Au pire, on ampute. Ouais, c'est bon. Allez, ça va être marrant. C'est encore une bonne journée. Moi, je me casse. Allez, ciao. Bah dis donc, on n'aura pas marché longtemps. Hein. J'avais trop soif, chérie. Il fait déjà très très chaud, très très lourd. D'ailleurs, c'est tout brumeux. Malheureusement, vous ne voyez rien. C'est ballon. Parce que c'est quand même un peu sympa. Et oui, c'est comme ça. Ça a été vite réglé, Tindara. 20 maisons, et encore, je suis large. Pas grave, on continue. On verra ce qu'il y a. Tu fais quoi? Je cherche des Kleenex. You mind wait or dry tissue? Waiting. Qu'est-ce que tu as acheté, Witty? Bah, mis à part les Kleenex, 5 carambars. 6. Eh oui, t'en as pris un pour toi. Et j'ai pris également un savon pour faire la lessive. Voilà, ils ont des savons pour la lessive, des savons pour la vaisselle, des savons pour le corps et 50 000 tonnes de savon. Mais c'est bien pratique. Ouais, c'est bien parce que le savon, les Kleenex, les carambars et tout, on en a eu pour 65 roupies. C'est pas la mort. Hein. Oui, une église, t'as vu, c'est rare. C'est la première fois qu'on en voit une ici. Ah ouais. Tu es déçu, Wiki. Non, déçu, pas à ce point-là. Juste pour un coup, on avait trouvé une église, bah, elle est fermée. Enfin, en même temps,
Les temples, on n'a pas accès non plus. Donc, par contre, c'est couplé. C'est couplé avec l'école d'à côté. Il y a une librairie, une école. C'est tout un ensemble. Alors ? Vous vouliez du calme ? De la tranquillité ? Là, on peut pas faire mieux. On entend même les cigales. Ouais. C'est calme. C'est quand même plus sympa qu'à Centre-Ville à 4 nombres. Enfin, plus sympa, c'est différent. C'est différent. Et sinon, pour vous, vous faites pas trop chier, non, pendant cette vidéo ? Après, en même temps, vous l'avez cherché. Hein. Vous voulez voir ce qu'on vit ? Là, voilà, vous l'avez. Ouais, c'est pas facile tous les jours, je vous le dis. Hein. Wiki, je crois que t'es pas prêt, j'ai trouvé la plante magique. Attention. Waouh, génial. Elle se referme. Génial. Ça fait des lustres qu'il me parle de cette petite plante magique qui se referme. Il a vu ça dans des reportages à la télé. Là, on tombe sur une plante. C'est une blague. J'ai jamais vu ça dans les reportages à la télé. Je l'ai vu de mes propres yeux, je les ai touchés en Calédonie, en Guyane. Qu'est-ce que tu me fais ne à la télévision pas dans mes oreilles. Je crie si j'ai envie de crier. Bon, mais là, t'es content, tu dis rien. Ouais, ouais. Wow, c'est génial. J'ai dit c'est génial, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, je sais pas, une roulade. Une roulade, tu crois pas que j'ai assez de morceaux en moins sur mon corps. Donc, cette petite plante est formidable pour se protéger. Dès qu'on la touche, elle se referme. Aussi. Comment elle s'appelle? J'en sais rien, moi, c'est une plante qui se referme. Route goudronnée, bus, on est de retour dans la civilisation. Ça n'a pas duré trop longtemps ce tour. J'ai toujours cette colline face à moi là. Je la ferais bien grimper là-haut, mais je sais pas si ça a un intérêt. On n'a pas de visibilité. À 500 mètres, on voit plus rien. Alors. Je ne vais pas la forcer à grimper pour à l'arrivée, le point de vue est nul. Quoi. On verra dimanche, apparemment, ils annoncent un grand soleil. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça grimpe, hein? Eh oui, hein. Alors, c'est quoi? La minute glandage. Eh ouais. On a décidé qu'on allait mettre ça en place, ça vous a plu la première fois? Ouais, non mais... Alors, vu sur quoi? Vu sur quoi? Vu sur rien, on est sur... On est dans le centre-ville de Bandipour, zone piétonne, vue sur quelques touristes qui font des selfies, c'est normal. Non, il est bien. Je peux en avoir de l'eau ou c'est... Une prise de guerre. Une prise de guerre, c'est en position 42. Et ouais, ça vous épate, hein. On boit pas que des Fanta et des Coca. C'est dommage parce que la vue est superbe. Enfin, on y voit, nous en tout cas, mieux que vous. Vous voyez par vous-même? C'est con parce que la vue est superbe. J'y vois peut-être un peu mieux que vous. Vous voyez par vous-même. Eh ben, la balade, tranquille. Ah oui, tranquille de chez tranquille. Maintenant, je te propose d'aller boire un petit verre, histoire de se rafraîchir. Ouais, mais moi, je repars pas en ville, hein. Je bois chez nous, à l'hôtel. Tranquille. Ah oui, parfait. On n'est pas loin, là. Oh, c'est bon. Ça me va. Et voilà, on s'était dit, on se fait un petit repas en tête à tête, en amoureux, en terrasse. Coucher de soleil, bon, terminé, mais un gosse qui braille, le bus qui se met là, le moteur allumé, ça fait 10 minutes qu'il est là. Bon, mais tant pis. Bon appétit, mon chéri. Ton mine ce soir. Oui, mon amour. Tu voulais rajouter quelque chose? C'était sympa ce que tu viens de dire. On voulait se faire un petit dîner en amoureux. En tête à tête, parce que d'habitude on est en tête à tête mais pas en amoureux, c'est ça? Ou alors on est amoureux mais pas en tête à tête, ben on est qu'à tous les deux tout le temps. Donc on est obligatoirement en amoureux et en tête à tête, t'as compris? Oui, excuse-moi chérie, je t'aime, bon appétit. Voici maman.
quelle galère. Franchement, on voulait faire donc le final sur la terrasse dehors, paf, panne d'électricité. Ouais, mais toute la ville. Ouais, donc on s'est mis dans la chambre sous le seul spot... Non, du coup, on s'est dit, on monte dans la chambre et puis on va faire avec la frontale. Oui. À peine on arrive, boum, le courant, il revient. Ouais. Bon, maintenant, il est dans la chambre, on va pas redescendre. Non, et puis on a la lumière, on y voit bien, là. Ouais, bah, on peut pas mieux voir, on est à 40 cm du spot, donc... Nous, on voit rien, en tout cas. Bon, la journée relax, on pouvait pas faire plus relax. Ouais, c'était vraiment pour faire une vidéo, quoi. Ouais, parce qu'il n'y avait rien de transcendant. Et puis, des fois, on fait rien de spécial, hein. Tout simplement aussi. Voilà. On s'est baladé tranquille. Voilà. On s'est baladé ensemble, tous ensemble. C'était bien, c'était sympa. Voilà. On a bien mangé aussi. Oui, on a bien mangé. Chongmin. Chongmin, ouais. Non, c'était très très bien. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le dalbat, il coûtait... une fortune. Le double de ce qu'on paye... Plus du double. 400 roupies par personne au lieu de 150, qu'on a toujours trouvé à 150 d'habitude. Non. Faut savoir quand même que dans les restaurants à Katmandou, moi j'avais vu un dalbat, il faut compter 300, 350 par personne. C'est parce que nous, on va manger dans les petits endroits où... Il n'y a pas tous les assortiments non plus. Il y a le dal, il y a le bat, il y a deux légumes et basta. Là, le dal et le bat. Ouais, il y avait un peu plus de choses. C'est exagéré, en fait. C'est un peu exagéré. C'est pas comme du coup, ce soir, chow mein, hop, 300 pour deux. Voilà, problème réglé. Et on est bien rempli. Et oui, franchement, ouais. Donc, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit. Bonne nuit, les petits. Ah bon. Je pensais que, tu allais directement, on faisait une vidéo un peu spéciale, quoi. Ça va pas être de la balade. Je dis rien, c'est une surprise. Ah, d'accord. Putain, les surprises et toi, c'est mort. Oh. Pff.